Bonjour chers amis, je vous retrouve aujourd'hui ici à Charleroi et comme vous l'avez appris, nous allons avoir un confinement de 6 semaines. Donc c'est une des dernières fois que je joue ici jusqu'au moins la mi-décembre. Alors aujourd'hui j'ai choisi, puisque nous sommes à la Toussaint, j'ai choisi de vous jouer une pièce d'Olivier Messiaen. Il s'agit de Apparition de l'Église éternelle. C'est une pièce pour orgue composée en 1932. Olivier Messiaen, de son nom complet Olivier Eugène Charles Prosper Messiaen, est né le 10 décembre 1908 à Avignon en France et il décédera le 27 avril 1992 à l'âge de 83 ans à Clichy dans les Hauts-de-Seine, toujours en France. Alors son activité, il fut bien sûr compositeur, organiste, pédagogue, ornithologue. Son style, bien sûr, de la musique contemporaine. Alors, il suit sa formation musicale au Conservatoire National de Musique et de Déclamation de Paris. Il eut comme maître notamment Maurice Emmanuel, Marcel Dupré pour l'orgue, Charles-Marie Bidor et Paul Ducas. Lui-même deviendra enseignant dans ce Conservatoire National Supérieur de Paris. Il eut de nombreux élèves dans ses classes et on peut en citer toute une série, Pierre Boulez, Marius Constant, Gilbert Ami, Paul Méphano, Karl Heinz Stockhausen, Mikis Theodorakis, Yanis Xenakis, Michael Levinas, encore bien d'autres, toute une série. Il a formé vraiment toute l'école de musique française. Alors, il fut organiste à Paris pendant toute sa vie et c'était son instrument principal, un instrument qu'il appréciait tout particulièrement. Voici donc cette pièce, Apparition de l'Église éternelle.